ان شاء الله دون سيت فيديو غنشوفوا ان اكزرسيس كومبلي على لي بولينوم. هاد الكور كنا درنا ليه واحد ريزومي، ودابا ان شاء الله غنشوفوا دي زيكزرسيس. فوال ليكزرسيس نيميرو 1 نقراوه باش ناخذوا واحد ليدي جينيرال. بي دو اكس ايتيغال ا موان 3 اكس على بويسونس 4 موان 6 اكس على بويسونس 3 بلس 4 اكس او كاري موان 10 اكس بلس 4. لا بروميير كيسيون montrer que 1 est une racine de P de X. C'est-à-dire quoi tout simplement? C'est-à-dire que P de 1 est égal à 0. Voilà, donc on doit calculer P de 1. La deuxième question, trouver Q de X tel que P de X est égal à X moins 1 facteur de Q de X. Et tout simplement, on va faire la division euclidienne ou bien le tableau de Ornat. Troisièmement, montrer que Q de X est divisible par X plus 3. On va voir comment. Et la quatrième, factoriser Q de X, puis déduire la factorisation de P de X, et tout simplement en déroulant les divisions euclidiennes. Voilà. Et dernièrement, résoudre dans R les équations et les inéquations suivantes. P de X est égal à 0. P de la valeur absolue de X est égal à 0. P de X supérieur strictement à 0. Et P de X sur la valeur absolue de X moins 4 est inférieur ou égal à 0. Voilà l'exercice qui m'a fait chauffer. Nous avons aussi les parties de le cours quand même. Ou d'abord, il a brisé, dans son la vidéo, des rouages laissés après un jet chauffe la correction. Bismillah, on commence. La question numéro 1 montre que 1 est une racine de P de X. Qui m'a donné l'introduction? Il suffit de calculer P de 1 et on doit trouver 0. Voilà. Donc, on remplace x par 1 dans toutes les expressions. Et vous allez remarquer, il y a quand même 1, il y a quand même 1, et tout simplement, je prends moins 3, moins 6, plus 4, moins 10, plus 15. Très bien. Donc, on simplifie. 15 moins 10, ça fait 5, plus 4, ça fait 9. Moins 3, moins 6, ça fait moins 9. Moins 9, plus 9, ça fait 0. Voilà. Donc, P de 1 est égal à 0, d'où 1 est une racine de P de X. La question numéro 2. Trouver Q de X tel que P de X est égal à X moins 1 fois Q de X. D'abord, on a montré que 1 est une racine de P de X. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tout simplement que P de X est divisible par X moins 1. Voilà, une propriété. Donc, on peut dire d'après la question précédente, d'après 1, voilà, P de X est divisible par X moins 1. Voilà. Si on trouve que P de A est égal à 0, on dit que P de X est divisible par X moins 1, n'est-ce pas? Et après le cas, voilà. Très bien. Donc, P de X est divisible par X moins 1. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, je peux l'écrire sous forme de P de X est égal à quoi? Est égal à X moins 1 fois un quotient des terroirs contre polynômes, donc dans le signe Q de X, et le reste radicale 0. Donc, je n'ai pas de reste. Voilà. Donc, là, on doit chercher ce polynôme Q de X. Bien sûr, je peux faire la division euclidienne ou bien le tableau d'Ornat, le brésil. Donc, bien dans la division euclidienne, il y a qui s'amène. Voilà, on supprime ceci. Donc, du dos, le polynôme DNP, moins 3x à la puissance 4, moins 6x à la puissance 3, plus 4x au carré, moins 10x, plus 15. Et on va le diviser par x moins 1. Très bien. Donc, si on a x, on va faire moins 3x à la puissance 4, tout simplement moins 3x cube. Voilà. Donc, on va faire tout simplement moins 3x à la puissance 4, avec le côté de l'addition de plus 3x à la puissance 4. On va faire 3x à la puissance 3, avec le côté de l'addition de moins 3x cube. Voilà. Après, je fais l'addition. Ou bien qu'il y ait une autre manière, tout simplement, on va faire après, je fais la soustraction avec les parenthèses, il n'y a pas le choix. Ou bien, tu prends du bas de côté, voilà que tu réelles le signe. Très bien. Donc, on fait l'addition maintenant, 0, ça fait moins 9x à la puissance 3. Donc, hop, top, 4x au carré. Si je suis un x, je vais faire moins 9x cube, tout simplement, moins 9x carré. Voilà. Donc, quand je viens de côté, là, je vais plus 9x cube, voilà, on a dit 9x au carré, fait le côté moins 9x au carré, donc on fait l'addition, ça fait moins 5x au carré, voilà, en tout moins 10x, donc bravo, moins 5x, moins 5x fois x, ça fait moins 7x au carré, donc fait le côté addition plus 5x au carré,
Voilà. On va se prendre moins 5x fois moins 1, ça fait 5x. Faites le compte, on va déchirer moins 5x. Donc tout simplement, on va prendre moins 15x. On nous veut dernièrement 15. Fashion balance, moins 15. Moins 15x à ce côté, 15x. 15 à ce côté, moins 15. Donc tout simplement, on obtient 0. Voilà, donc le reste est maintenant reçu. Donc ici, on a 0. On va dire tout simplement, on va dire le quotient Q de x, donc voilà, Q de x. Ma question numéro 3, montrer que Q de x est divisible par x plus 3. Donc, Q de x par x plus 3, ou le reste, c'est un cas 0. Donc, un bon raisonnement. Ou tout simplement, on va donc, dès la division euclidienne, on va le quotient, etc. Donc, donc, fait qu'il le Q de x est divisible par x plus 3, on a une propriété. Q de x est divisible par x plus 3. X plus 3, tout simplement, il y a x moins moins 3, n'est-ce pas? Donc, il y a x plus 3. Voilà. Donc, si Q de x est divisible par x moins 1, parce que tout simplement, a est une racine de Q de x, n'est-ce pas? Donc, Q de x est divisible par x moins moins 3 si tout simplement que Q de moins 3 est égal à 0, l'idéal ADN fait le cas. Donc, on va vérifier où est la condition. On calcule Q de moins 3, on va 0. Et tout simplement, on va remplacer x par moins 3 dans l'expression de Q de x, c'est-à-dire Q de x, mais chez P de x. Donc, on remplace moins 3 fois moins 3 à la puissance 3. Il y a moins 3 à la puissance 4, où la puissance est paire, donc avec le de moins, ou 3 à la puissance 4, ça fait 81. Très bien. Donc, il y a moins 9 fois moins 3 au carré, moins 3 au carré, ça fait 9, fois moins 9, ça fait moins 81. Voilà, sont opposés. On continue. Moins 5 pour moins 3, ça fait 15. Moins 15, voilà, sont opposés. Donc, tout simplement, est égal à 0. Bon, puisque Q de moins 3 est égal à 0, donc Q de x est divisible par x moins moins 3. Il y a tout simplement x plus 3. Voilà, c'est très très facile. Là, on a la division euclidienne, on a la question, on a la réponse sera correcte. Maintenant, nous avons la question numéro 4, qui dit factoriser Q de x, puis déduire la factorisation de P de x. Donc, on factorise premièrement Q de x. Donc, là, nous avons la question précédente, que Q de x est divisible par x plus 3. C'est-à-dire quoi, tout simplement? C'est-à-dire Q de x, qui sert x plus 3, fois le polynôme, Q prime de x. D'accord? Voilà, et le reste est 0, puisque Q de x est divisible par x plus 3, elle n'est pas habile, elle reste moins. Très bien. Donc voilà une factorisation de Q de x, elle factorise Q de x. D'abord, il suffit, je cherche Q prime x, bien sûr, la division euclidienne, ou bien le tableau de Ornans. Donc, dire le tableau de Ornans, pourquoi pas? Voilà, on dessine trois colonnes. Maintenant, quand on dit les coefficients de le polynôme n'est vraiment pas small, finalement, tout simplement, on voit Q de x. Voilà. Q de x, donc on dirait les coefficients, il est moins 3, moins 9, moins 5, moins 15. Mais la première chose là, c'est que je suis sûr que je n'ai pas de degré. Il y a le degré 0, il y a x à la puissance 0, il y a 1, il y a x à la puissance 1, 2, 3. D'accord? Donc on va dire comme ça là. Moins 3, moins 9, moins 5, moins 15. Oui, quand on a un chiffre de degré, c'est un chiffre de moins 5x, tout simplement, on va dire le coefficient il y a là, 0. Voilà. Et tout simplement, quand on dit A, on va diviser par x plus 3, il y a x moins moins 3 qui est maintenant. Donc, A, le cas, il y a moins 3. Ou on est tout simplement, on a les coefficients, il y a le polynôme là, Q' de x. Donc, comment on peut travailler? Donc, moins 3. Après, quand on va faire moins 3, il y a 9. Après, on fait l'addition. Moins 9 plus 9, ça fait 0. On a la même démarche. Qu'est-ce que je vais donner? Donc, 0 fois moins 3, ça fait 0. On fait l'addition. On obtient moins 5. Moins 5 fois moins 3, ça fait 15.
Voilà, et l'addition, ça fait 0. Ou bien sûr, le 0 qui coule, où est le reste? Ou bien, on a Q2x est divisible par x plus 3. Et on a le reste, 0. Très bien. Ou bien, tout simplement, vous mettez le coefficient de Q' de x, maratri. Donc, on a x à la puissance 0, on a x à la puissance 1, on a x au carré. Voilà. Donc, tout simplement, Q' de x, c'est qu'on a le boulet. Ou moins 3x au carré. 0 fois x à la puissance 1, 0, et moins 5x à la puissance 0, donc moins 5. Voilà. Et comme ça, on a factorisé q de x intelligemment. Mais, maintenant que nous la question, il y en a qui vous pouvez déduire la factorisation de q de x. Bien, on factorise q de x. Alors, on a la question numéro 2, voilà. Les p de x est égal à x moins 1 fois ce truc-là, le niveau q de x, n'est-ce pas? Ou d'abord, on a appris la question numéro 4, les q de x, où est le produit? Donc, je peux remplacer q de x par x plus 3, facteur de moins 3x au carré, moins 5. Voilà, j'ai factorisé q de x en trois facteurs très très simples. Donc, la factorisation, elle est finie de 0. La cinquième question, elle fait à résoudre des équations et des inégalités. Elle fait un P de x. On a maintenant notre débat de P de x. L'écriture est très très compliquée. Elle a le degré 4. Mais qu'elle se dit l'écriture est très très simple. La première équation, P de x, est égale à 0. Donc, je vais remplacer x par l'écriture compliquée, qui est plus simple, bien sûr. C'est-à-dire x moins 1 fois x plus 3, facteur de moins 3x au carré, moins 5, est égal à 0. Voilà. Un produit de trois facteurs est égal à 0. C'est-à-dire tout simplement, et l'un des facteurs est égal à 0. Il n'y a rien qu'un wahfi au 0, qu'un chimcha qui sert au 0. Donc tout simplement, x moins 1 est égal. Donc elle le symbole tout simplement, et je ne sais pas comment ça. Voilà. X moins 1 est égal à 0. Ou x plus 3 est égal à 0, ou moins 3x au carré moins 5 est égal à 0. Donc tout simplement, je résous les petites équations. C'est-à-dire x est égal à 1, ou x est égal à moins 3, ou. Donc il y a l'équation de deuxième degré, donc il y a une petite question de tout simplement. Ou là, donc c'est-à-dire moins 3x au carré est égal à 5. Après, on divise par 3, on trouve moins 5 sur 3. Très bien. X au carré, qu'un alpha est toujours positif, n'est-ce pas? Quelque chose au carré est toujours positif. Ou moins 5 sur 3 est un nombre négatif. Comment? Donc, c'est impossible. Mais quand x au carré, c'est le nombre négatif. Donc, tout simplement, on a les deux voilà, solutions. Donc, l'ensemble de solutions de cette équation est égal à les nombres moins 3, 1. Voilà. P est très très facile. Qui P de la valeur absolue de x est égal à 0. Donc on remplace x par la valeur absolue x, l'expression vient bien sûr à remplacer au final. Hatiye est très très simple. Donc, si on remplace x par la valeur absolue de x, voilà, et tout ce truc est égal à 0, qu'est-ce qu'on va faire? Atlah bien dit le même raisonnement, la même démarche. Après, en gros, l'un des facteurs est nul, n'est-ce pas? Voilà, on a dit ce qu'on a dans la valeur absolue. Après, tout simplement, on dit 1 à ce côté, on a dit les mêmes erreurs. Ou alors, on a dit la valeur absolue de x est égale à 1, ou la valeur absolue de x est égale à moins 3. Ou alors, on a dit la valeur absolue de x, tout au carré, moins, est égale à moins 5 sur 3. Voilà, on a dit ce qu'on a impossible. La valeur absolue de x au carré, il y a x au carré, n'est-ce pas? Il y a la valeur absolue, mais qu'est-ce que c'est x au carré de ma position. D'accord? Donc, elle dit bien sûr, elle dit impossible. Ou la valeur absolue de x est égale à moins 3. Alors, comme je cherche la valeur absolue, qu'est-ce que c'est moins 3? Impossible. La valeur absolue est toujours positive. Et mais c'est le cas, est impossible. Elle prend un réel. Ou elle dit tout simplement, la valeur absolue de x est égale à 1, c'est-à-dire x est égale à 1, ou x est égale à moins 1. Voilà l'ensemble de solutions et les nombres moins 1. Très très facile. On passe d'abord aux inéquations, il est vraiment un peu difficile. Cp de x superrestriction moins 0, donc on remplace p de x par l'expression, c'est-à-dire x moins 1 facteur de x plus 3 facteur de moins 3x au carré
moins 5 est égal à 0. Voilà. Ou d'abord tout simplement, c'est monsieur, il faut compter ces deux trucs sans nul ou bien chacun d'eux. On a déjà d'abord dit qu'on a déjà, monsieur, il faut quand P de x est égal à 0, qu'on a une solution moins 3 et 1. Donc x est égal à moins 3 ou x est égal à 1. Donc on dit ici notre tableau ici. Il y a dit que x est égal à 1, ou bien que x est égal à moins 3, ou bien que mais on n'a aucune solution. Voilà, donc on dit ici le tableau ici. Là, on dit tout simplement l'état de x moins l'infini plus l'infini. Moins 3, 1. Ou là, on a pas la courbe d'Yann. Il y a x moins 1. Après, on trouve x plus 3. Après, on trouve moins 3 x au carré moins 5. Et dernièrement, le polynôme complet P de x. Très bien. Maintenant, x moins 1 s'annule en 1, n'est-ce pas? Ou bien sûr, il y a le facteur x moins 1, P de x qui en a un. X plus 3 s'annule en moins 3. Ainsi que le polynôme s'annule en moins 3. Nous dire, on dit tout simplement que je fais l'équation moins 3x au carré moins 7 est égal à 0, malgré l'âge des solutions. Voilà. Au fil que vous voulez, le truc, il est tout simplement soit radical négatif, soit radical positif. Nous allons que tu fais moins 3x au carré moins 7. D'accord. Donc x au carré, ça sera positif. Il a dans le signe moins 3, il est négatif. Très bien. On a 6, 5, bien sûr, il va devenir plus négatif. Il y a le truc toujours négatif. D'accord. Donc, il y a deux trucs. Il y a un autre truc. Le signe bien, il est toujours négatif. Je me tiens prêt. Il y a un autre x là. Je vais trouver ce truc négatif dans R. Mais moins l'infini, c'est plus l'infini. Ou il y a un x moins 1 qui est derrière le signe bien. Voilà. Maintenant, on a le coefficient 1 est positif. Donc, on a ce qu'on a plus. Ou on a ce qu'on a négatif. Parce que nous faisons un mot bien. Donc, x moins 1 tout simplement, qui est positif, quand x est supérieur à 1, n'est-ce pas? Et voilà, quand x est supérieur à 1, fait x moins 1, il est positif. Et quand x moins 1 est négatif, quand x est inférieur strictement moins 1, voilà. Ou x finit qui est inférieur strictement moins 1, quand je oublie x moins 1 est négatif. Donc là, et bien, je suis comme moi, le tableau de ça. D'accord? Donc il y a des deux trucs là qui rient le signe dialo. Ou alors que l'ada est toujours négatif, donc on attend le signe dialo moins. Voilà. D'abord, on chauffe x plus 3, coefficient positif, plus à droite, moins à gauche. Voilà. Donc là, un P de x, c'est un produit de trois facteurs. Donc tout simplement, on dit la multiplication. Moins, 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 ça fait plus. Moins, ça fait moins. Moins, 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 ça fait plus. Plus, ça fait plus. Donc on a moins tout simple. D'abord, on donne l'ensemble de solutions. Alors, il y a deux trucs qui sont supérieurs strictement à 0. Et il compte positif. Il est dans cet intervalle. Donc l'ensemble de solutions est égal à l'intervalle moins 3, 1. D'abord, je vais dire que je vais dire que je strictement, donc je vais dire ouvert. Il y a un moment où je vais dire que le polynôme est égal à 0. Ou bien je vais dire que le polynôme est égal à 0. X, c'est ce que je vais dire moins 3. Et ainsi pour cela, je vais dire. Donc, des manières. Qu'en dire ouvert, fin qu'est-ce qu'on a dit strictement ou là qu'est-ce qu'on a dit la valeur interdite. Mais qu'en dire fermé, fin qu'est-ce qu'on a dit ou égal. C'est très très simple. La dernière équation est un peu difficile, alors qu'on a fait un zien. D, un P de x sur la valeur absolue de x moins 4 inférieur ou égal à 0. Ok, on a un peu de temps. هي لي فالور انترديس علاش لي فالور انترديس حيت عندي واحد دينوميناتور مازال قبيله كان عندي واحد لو برودوي سي با غراف ولكن فين يكون عندي واحد دينوميناتور او بيان فلوكا فين يكون عندي واحد لا راسين خصني نرد ليه لي فالور انترديس يعني لو دينوميناتور لا فالور ابسولي دو اكس موان 4 خصو يكون ديفيرون دو 0 لو دينوميناتور ما خصوش ينعدم سي تادير تو سامبلومون لا فالور ابسولي دو اكس اي ديفيرون دو 4. Ou Hadi, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tout simplement, la valeur absolue est différente de 4, ce qu'on x différent de 4 est différent de moins 4. Je vous dis, là, c'est dire le ou. Donc, il y a que je vous dis le ou. Vous voyez, maintenant, c'est que je vous dis différent. La valeur absolue de x différent de 4, يعني x مخصش تساوي 4 حيث الى ساوات 4 غادي تولي كتساوي 4 و الى ساوات -4 لا فالور سي دو -4 هي 4
دونك حتى باش ما تحطش راسك في هذا الاشكال وما غاديش تفهم هذه مزيان تو سامبلومون حيت فين كتكون عندنا ديفيرون بحال اللي كنديرو النافي. ولكن ما علينا، انت بلا ما تحل هاد ليكواسيون كاع اجي شوف غير لي دينوميناتور باش ما ينعدمش اشخاص. خص اكس تكون ديفيرون دو موان 4 كاينه ولا لا؟ حيت لا فالور ابسولي دو موان 4 هي 4، موان 4 هي 0، موان 4 سي اون فالور انترديت. وعندي 4 لا فالور ابسولي دو 4 هي 4، موان 4 صافي 0. دونك فوالا عندي دو فالور انترديت بلا ما نحل هاد ليكواسيون ونطيح في هاد البروبليم. فوالا دابا فين عطينا لي فالور انترديت غادي نمشيو نشوفو كونتيس هاد دو تخوك ديالنا صاري بي دو اكس حسبنا ديجا لقيناها في موان 3 اي 1 ولا فالور ابسولي دو اكس موان 4 تو سامبلومون راه صانير اون 4 اي موان 4 نيسبا. دونك فين كنعوضو ب 4 موان 4 راه صانير بحال داكشي علاش قلنا سو سون دي فالور انترديت. دونك دابا تو سامبلومون غنرسم واحد لو طابلو سي. دابا اون ديسين اونتخ طابلو دو سي فوالا. انا غنقول لكم علاش خديت هذا. انا غندير لي طاد اكس من موان لانفيني بلوس لانفيني بيان سور. غادي دو تخوك صانير عندك موان 4 4 وموان 3 و 1 بيان سور بالترتيب صافي موان 4 موان 3 1 اي 4 تخي بيان. دابا شحال غندير من تخوك هنايا؟ واش هاد بي دو اكس عاوتاني غنكتبها سو فورم دو فاكتور ونزيدهم وندير هذا ونقدر نديرها سي سي كوريك. ولكن باش دابا انا جو ديجا لقيت لي سين دو بي دو اكس يعني نقص عليا الوقت فوالا. دونك هنا غندير بي دو اكس وهنا غندير لا فالور ابسولي دو اكس موان 4. دونك عارف بلي بي دو اكس سانيول او موان 3 اي 1 نيسبا ولا فالور ابسولي دو اكس موان 4 سانيول او موان 4 اي 4. انا نمشيو لو سين. دونك بي دو اكس انا عارف لي سين ديالها في ار كامل عارفها من موان لانفيني حتى لموان 3 راها نيجاتيف. دونك جو رون بلاس ديريكتوم وعارفها بلي من موان 3 ل 1 راها بوزيتيف ومن 1 بلوس لانفيني عارفها بلي نيجاتيف فوالا. يعني بلا ما نعاود بي دو اكس بهاد لي 3 تخوك ونطول عليها الطريق واش متسابق. دابا غيبقى لينا تو سامبلومون غير لا فالور ابسولي دو اكس موان 4. دونك دابا الى بغيت لو سين ديال سو تخيك واش غنمشي ناخذ لو كويفيسيون لا؟ حيت ما عنديش انا اكس عندي لا فالور ابسولي دو اكس. دونك كيفاش غنقدر نخدم؟ وركز معايا مزيان غنمشيو نشوفو كون لا فالور ابسولي دو اكس موان 4 اي بوزيتيف يعني في ان انترفال ونمشيو نشوفو تو سامبلومون كون لا فالور ابسولي دو اكس موان 4 اي نيجاتيف يعني في ان انترفال. ركز معايا مزيان تو سامبلومون هادي كون لا فالور ابسولي دو اكس اي سوبيريور او ايغال ا. وهذه سي تادير كوا تو سامبلومون سي تادير كو اكس اي سوبيريور او ايغال ا 4 او اكس اي انفيريور او ايغال ا 4 ا موان 4. دونك هادي تو سامبلومون سي سون ريغل دو كالكول خصك تكون عارفها مزيان. يعني سو تروك اي لي بوزيتيف يعني جو في ميتر بلوس في هاد لي زانتروال كون اكس اي سوبيريور او ايغال ا 4 يعني هنايا فوالا ها اكس سوبيريور او ايغال ا 4 هنا جو في ميتر بلوس اي كون اكس اي انفيريور او ايغال ا موان 4 فوالا. دونك هنا في هاد الانتروال باش غادي ميتر بلوس اي بيان سور لو موان ديريكتومون غنفهم راسي اللي خصني نديره هنايا. ولكن باش نتاكدوا مزيان دونك لافا كون لافالور ابسولي دو اكس موان 4 اي نيجاتيف يعني خص لافالور ابسولي دو اكس خصها تكون انفيريور ستريكتومون ا 4 وهادي تو سامبلومون سي بادير اكس اي كومبري اونتر موان 4 اي 4. دونك هنا نقدر ندير او ايغال سي با غراف بحال بحال يعني سو تخوك الي نيجاتيف يعني جو في ميتر موان في هاد الانترفال كون اكس اي كومبري اونتر موان 4 اي 4 يعني هنايا فوالا سي تخي تخي فاسيل. دابا باش نلقى لو سين ديال هاد لافراكسيون اللي هي بي دو اكس سيغ لا فالور ابسولي دو اكس موان 4 بما انها فراكسيون تو سامبلومون غنضرب هاد لي سين في بعضياتهم نيسبا فوالا. دونك بلوس مع موان صافي موان مع موان مع موان صافي بلوس موان بلوس موان مزيان. دونك فين البسط في لو نيميراتور كاين عادم تو سامبلومون لا فراكسيون كلها كاين عادم حيت زيرو سيغ نيمبورت كيل شوز صافي زيرو فوالا. دونك لا فراكسيون سانول كون بي دو اكس سانول مزيان حيت بي دو اكس هي في لو نيميراتور وما ننساش نشوف مع لي فالور انترديت لي هما موان 4 اي 4. دونك جو في هاد لو سين موان 4 اي 4 يعني ما عنديش الحق ناخذو مزيان. دابا تو سامبلومون جو دون لونسومبل دو سوليسيون هما بغاو سو تخوك انفيريور او ايغال ا زيرو يعني بغاو نيجاتيف يعني فهاد الانترفال وفهاد الانترفال وفهاد الانترفال فوالا. اون كومونس من موان لانفيني جوسكا موان 4 موان 4 اون فالور انترديت دونك غندير اوفر تخي بيان موان لانفيني موان 4 فوالا. دونك هنا اونيون غندير لونيون ابخي من موان 3 ل 1 موان 3 1
بما انا عندي انا او ايغال فوالا دونك سي با غراف اني ناخذ لي فالور يعني فيرمي عندي او ايغال جو في فيرمي اونيون ابري 4 بلس لانفيني بلس لانفيني توجور اوفير اي 4 فالور انترنيت اوفير فوالا جي تروفي مون انسومبل دو سوليسيون فوالا دابا نكونو سالينا ليكزارسيس ديالنا و جيسبر تكونو استفدتو من هاد لا فيديو و الى عجباتكم ابوني فو بارطاجي مع صحابك و الى بغيتي بلي ديكزارسيس ان شاء الله تلقاه هنا ليكزارسيس نيميرو 2 و بيان في الديسكريبسيون المهم غتلقاه في شي بلاصه دونك ا تري بيانتو